Au début, bien évidemment, ceux qui l'ont rejoint après le premier tour de la semaine dernière, c'est évidemment une éclatante victoire pour lui ce soir. Et un grand bravo à tous ceux qui ont contribué à cette victoire. Bien sûr, tous ceux qui ont voté pour lui, tous ceux qui ont travaillé pour lui. Bravo à toutes les équipes qui ont été sur le terrain depuis le début, qui n'ont rien lâché, qui ont continué jusqu'au bout. Bravo à tous les bénévoles, bravo à tous ceux qui ont pris les bureaux de vote, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que c'est une belle victoire aussi de la primaire de la droite et du centre. Quand on voit la participation à la fois au premier tour, son augmentation au deuxième tour, c'est un système qui a démontré son succès et la bonne ambiance, c'est vrai, le respect des uns et des autres, et bien sûr la participation est tout à fait exceptionnelle. Maintenant, tout le monde est là ce soir, tout le monde s'est retrouvé. On aura sans doute la visite tout à l'heure de Michel Havard. Je vois que Patrice Verchère vient d'arriver, Philippe Meunier, je l'ai aperçu, Philippe Cochet, Michel Forestier, les parlementaires sont là, Elisabeth Lamure pas encore, David Nassuri, Michel Dau, enfin, tout le monde est là. Et c'est pour montrer simplement que, à partir de l'instant présent, tout le monde, toute la famille est réunie pour gagner l'élection présidentielle de 2017. Il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Donc, c'est le monsieur qui commande, et le monsieur a commandé jusqu'au bout, parce que la bataille n'est pas terminée. La bataille majeure va s'engager maintenant. Elle va s'engager pour gagner l'élection présidentielle, pour faire gagner bien sûr notre candidat qui est François Fillon, pour faire gagner la France et pour faire gagner les Français. Il y a du travail, ça se présente bien, mais rien n'est fait, il y a encore du travail à faire. Et donc restons mobilisés, profitons de l'instant présent, et puis on se remet au travail dès demain, derrière le patron, pour avancer et pour gagner. Merci à tous.